Un arpège est simplement des grés 1, dans ce cas du sol majeur, 1, 3 et 5 de la gamme majeure. Deuxième octave. Ça, c'est l'arpège de sol majeur, G major, c'est ça. Puis aussi, quand on met ensemble, les trois notes ensemble, ça nous donne un accord, dans ce cas, majeur, sol majeur. On joue les arpèges une note à la fois, mais l'accord est quand on les met ensemble, sol majeur. On peut aussi jouer les accords des arpèges mineurs. Voici sol mineur. Une autre façon de le jouer, c'est comme ici. Voilà. Puis l'accord de sol mineur. Comme ça. Aussi, on pourrait ajouter des septièmes à nos arpèges, comme, disons, majeur 7. Ou un septième dominant. Ou comme ceci. Mineur 7. Comme ceci. Mettons on avait quatre accords à jouer. Sol majeur, La mineur, Si mineur et Do majeur. On pourrait souligner les accords avec les arpèges. Mettons qu'on voulait jouer un solo, trouver une partition à jouer. On pourrait commencer toujours avec les arpèges. Fait que voici les accords encore. Et les arpèges qui iront avec ces accords.